Aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 mai. Ça y est, deuxième match, deuxième journée des quarts de finale. On va terminer aujourd'hui les quarts de finale, demain les demi-finales, jeudi la grande finale. Et puis après, on verra ce qu'on fait. Dans ce quart de finale, je vous demande d'accueillir notre premier invité. Vous le connaissez, c'est Flo. Bonjour Flo, comment ça va? Salut, ça va, en forme. Et toi, comment tu vas bien? Ça va bien, ça va bien. Bon, on attend juste El Passi qui est en train de se connecter. Il va pas tarder à arriver. On sait ce que c'est la Oh, il est technique. en train de se coiffer, j'en suis sûr. C'est Il se coiffe, il m'a dit qu'il allait faire une coiffure de ouf aujourd'hui, donc. pas gentil. C'est pas gentil de faire ça. Oh là là, Oh, mais bonsoir c'est Frédéric. mon frère, c'est mon poteau, il sait que je rigole. Oh, je vais le répéter parce que là il est en train de galérer avec l'application, etc. Mais oh vache. Pour ceux qui connaissent pas El Passi, il a pas un seul cheveu sur la tête. Et en deuxième match tout à l'heure, après vous, on recevra Camille Achard contre Seb Geekmeall. Et Camille qui est déjà connectée, qui est déjà en attente et tout. Ah bah, on va faire un coucou à Camille, qui est en train de Ah manger. bah oui, coucou Camille. Oh, mais elle mange, on te voit. Coucou Camille. Elle sait pas qu'on Camille, regarde. ça va? Elle sait pas qu'elle est en Salut. live. Ça va Ah, elle Camille? sait pas, elle entend pas. Non, attends pas. Camille! On va l'enlever avant que ce Coucou! soit gênant. Tu nous entends pas? T'es en live, Camille. Ah bah oui, mais tu vois, elle s'en est rendu compte. Coucou Camille! Ah, j'adore! Oh! Comment vient ce C'est live? vraiment une enflure, je suis en train de manger. Je sais, j'ai vu. Ben oui, on a vu ça. Ah, Voilà. non, 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 quoi? Je suis en live. Allez, à tout à l'heure, Oui, Camille. tu es en live. On Ouais, appelle à pas tout si. à l'heure. Continue à Bon manger. appétit. Bon appétit, prends des forces. Voilà l'ambiance. Voilà l'ambiance. Alors, plein de jeux, juste pour rappel. Alors, je vais couper le micro. Je vais couper le micro de Camille, ça devient gênant. Pour rappel. Ah, bah oui. El Passi a éliminé au premier tour Big Frankie et en huitième de finale Grégory Thiboudois. Et Flo a éliminé au premier tour sans aucune pitié Marlène. Mais alors. Exactement. Hop, Elle s'en dégage. souvient encore. Hein. Bah oui. Oh la pauvre. Si elle nous Voilà. regarde, coucou Marlène, je t'aime quand C'était un même, jeu. quoi. C'était un jeu. C'était Oui, voilà. un super live. En tout cas, on s'est super bien éclaté. J'espère que vous aussi. Et puis, au quart de finale, huitième de finale, t'as éliminé aussi sans pitié Sohan, vainqueur de The Voice Kids 2019, et son père Nono. T'as dégagé la famille en entier. C'est Oh, les moche. pauvres. Oh, mais non, mais non. Là, c'est parti tout seul. On a fighté, on a lutté jusqu'à la fin, hein, parce que Ah ouais. Sohan était un très bon compétiteur. Ah oui, Et puis voilà, quoi. et puis il va pour gagner quoi. Mais comme tout le monde en fait, c'est ce qu'on a Oui, aperçu. Il y a absolument rien à gagner sur ce jeu. On a fait ça. C'est parti d'un délire. Bah, avec toi, tu faisais partie des premiers lives. On a dit tiens, on fait des lives. D'accord, on fait des lives. Et puis après on dit tiens, on fait un jeu. Ouais, on fait un jeu. Et ouais. donc il y a rien à gagner, il y a C'est rien à parti. perdre. En fait, c'est parti en live, quoi. C'est parti en Complètement. live total et on a fait les config games. On a fait quatre. J'ai compté tout à l'heure. Il y a eu 32 invités sur le live en un mois et demi. Quasiment. Wow. Ouais, merci à tous C'est ceux. ouf. Je ferai la. Ouais, regardez. Je sais parce que je prépare la finale et puis la finale, je remercie tout le monde d'avoir participé. Donc j'étais en train d'écrire les noms et tout. 32 invités, puis ceux qui sont venus 3-4 fois comme toi. comme toi, comme Seb, Trop comme souvent. Camille. Trop Non, souvent. c'est bien. Ça permet d'avoir des nouvelles et tout. Voilà, c'était juste fou. Merci à tout le monde et puis merci à vous aussi de suivre tous les jours sur le live. Vous êtes au rendez-vous à chaque fois, ça fait plaisir, vraiment. Yes! Bon, El Passi, il est où? On est à fond. Est-ce qu'il va perdre par forfait? Ça serait dommage. C'est un gros combattant, hein, El Passi. Il Ah rigole oui, pas. Hein. c'est un Alors, ça ne fighter. marche pas. J'ai fait l'appli, j'essaie comme la dernière fois, mais ça se connecte pas. Alors, éteins et rallume, je sais pas moi. Voilà, redémarre. Panadol. Attendez, je suis en train de parler à El Passi en même temps. Éteins l'appli Elle complètement. passe. Allez, on Reclique coupe tout. sur le lien. C'est dommage quand même. Flo, on te retrouve tous les matins de 6h à 9h sur Énergie. Maurice, 9 h, oui, tout 9h. à fait. Tu réveilles tout le monde. 9 h. Ah ouais, 9h. et je peux te dire ils le sentent passer, hein. Il y en a qui n'en reviennent toujours pas, ils s'en remettent pas. Donc, ils essaient tous les jours de se reconnecter pour voir si ça va mieux, mais non.
Qu'est-ce que dit le docteur? Ils sont un peu Ah bah occupés en ce écoute, moment. le docteur dit que c'est la folitude. C'est la folitude et puis voilà quoi. That's all. Donc il n'y a pas de moyen de guérison, il n'y a rien qui est possible en fait. Non, c'est Il la faut juste folie qui continuer vous à réveille le rester matin. connecté. C'est la folie qui vous réveille le What? matin et tu mets la pêche à tout le monde le Ah ouais. matin Ah sur ouais. Énergie. Je fais, écoutez, il faut vraiment y aller. Je vous jure, ça, c'est Ouais, mieux qu'un c'est bon bon café. ça. Oh, ouais. Ouais. Beaucoup mieux. Ah ouais, c'est bon, bon, bon quoi. Et puis, Ah, tu as c'est tenu bon, pendant ça c'est bon. plus d'un mois sur le 5Q Challenge. Donc là, c'est fini. Ouais. On dit plus Ouais, là c'est merci. Et fini. allez, hop. Alors, Ouais. C'est bon, ça. écoute, écoute, depuis lundi, il y a pas mal de gens qui ont repris le travail. À Rodrigue et tout ça, les activités ont à peu près repris. Donc, on s'est arrêté plus par, on va dire un peu par commodité, parce que ben voilà, les emplois du temps ont un petit peu évolué pour tout un chacun, et aussi que ben, aujourd'hui, tout le monde rejoint un peu la bataille, quoi. Tu Oui, vois? bah, tout le monde va y aller, d'accord. Là, ça va être Ah bah la toute chaude. oui. Et voilà quoi, on a pu rester à la maison pendant un mois et demi. Maintenant, ça suffit, hein? Il faut mettre son masque, ses gants, s'habiller et aller bosser. Ah là là, son. Vous, à Maurice, c'est jusqu'au 1er juin, apparemment, Alors, confinement. C'était étendu, c'est oui, mis, c'est pas tout confiné encore. écoute, voilà, il y a ce qu'on appelle un couvre-feu sanitaire qui sera jusqu'au 1er juin 2020, mais tu as surtout un déconfinement progressif, un déconfinement contrôlé, qu'ils ont dit. Voilà, c'est le terme que je cherchais. À partir du 15 mai, donc d'ici vendredi prochain, et il y aura aussi ce qu'on appelle un Covid Bill, un peu comme des lois qui vont sortir à respecter. Donc, comment est-ce qu'il faudra circuler, comment est-ce qu'il faudra aller faire ses courses. Donc, la vie va un petit peu changer, pour ne pas dire beaucoup. Et bah, on attend ce Covid Bill, ce Covid-19 Bill, et on attend surtout de pouvoir sortir de chez nous sains et saufs et en sachant quoi faire dans chaque situation. Quand un bus nous refuse, donc un bus nous empêche de monter, bah, on saura pourquoi, quoi. C'est clair. Non, il faut faire attention. C'est pas parce que le déconfinement arrive petit à petit que le virus disparaît. Au contraire, Ouais, il y a une tout à deuxième vague fait. qui peut être encore plus dangereuse que la première. Et c'est là où il faut faire attention. Mais il faut reprendre une activité bah, sociale, économique, parce que sinon, ça va être pire. Je voulais juste faire un truc un peu particulier aujourd'hui. Et toi, je sais que tu sais le faire et tu le fais vachement bien. Vous êtes super nombreux à nous suivre depuis le début des lives, et puis il y a quelqu'un en particulier qui nous suit vraiment sur tous les lives depuis quasiment le début, qui est là à chaque fois, qui commente beaucoup dans les commentaires, qui doit avoir le badge super fan de C'est pas sûr. Et je voulais faire un gros bisou aujourd'hui parce que c'est son anniversaire. Bon anniversaire, Tina. Ah. Voilà. Oh, joyeux anniversaire, Tina. Happy birthday to ya. Happy birthday to ya. Happy birthday. Voilà, et mettez dans les commentaires, bon anniversaire Tina, ça va lui faire plaisir. Oh, Ça bah va lui faire oui, plaisir. écoute. Ça va lui faire plaisir. Voilà, et ça nous fait plaisir. Voilà, t'es là à chaque fois. Merci Tina, en tout cas. C'est important pour toute l'équipe, parce que je ne suis pas tout seul, il y a du monde, tu sais. Voilà, on tenait vraiment à te souhaiter un bon anniversaire. Monsieur El Yes. Pastou, il est où? Alors, Et le voilà. retour, pas le Alors. retour. Where Non, is ça ne marche he? pas. Alors, Ah tu non? as un PC. Bon, il est pas là. Bon bah écoute, hyper par Voilà. forfait. Wouh, Ah, j'ai c'est gagné! que maille. Ah, je suis trop fier de moi. Ah, oh, et bah écoute, j'aimerais remercier ma mère qui m'a soutenu tout le temps de ce confinement, des Confi Games. Il y a aussi mes chats, Titi et Toto. Ils étaient extraordinaires. Hein. Ils étaient là. D'ailleurs, ils sont dans les parano, ils sont près de leur gamelle. T'as appelé tes chats Titi et Toto? Ah bah oui, c'était plus pratique pour ma mère. Parce qu'au bout d'un moment, je trouvais tellement des noms originaux que ça Ton ma mère l'intéressait plus. vient Tu sais, elle, au bout d'un moment, elle les appelait tous Poussy et Minou. Et là, j'ai fait, mais maman, c'est pas possible. Elle me disait, ah, oh, c'est plus simple. Les autres, je m'en souviens jamais parce qu'à chaque fois, tu sais, j'avais des noms très originaux, hein, genre Vodka, Red Bull, des choses comme ça. Mais voilà, mais ma mère, elle kiffe pas trop. Donc voilà, donc maintenant, ça a fini par Titi et Toto. Et ça va plus vite et c'est plus simple.
Ah, mais t'es où, El Passi? Attends, il va se mettre sur PC. Alors, attends, tu copies. Ah. Lien. Bon, Chrome. Voilà. J'ai un peu technique, en fait. Pour pouvoir se connecter, tu as plusieurs sur le live. On peut être jusqu'à 4. En fait, j'envoie un lien, ça se connecte sur une interface et après, c'est rediffusé sur Facebook. Et des fois, ça merdouille un petit peu. Bah ouais, en même temps, c'est technique. Mais C'est la déjà, voilà. technologie, voilà. C'est pas Ouais, mais infaillible. on aurait cherché plein de trucs déjà depuis, donc c'est pas grave, ça plante de temps en temps. Et... Oh, Oui, et puis les autres se exactement. Ouais. connectent. Les autres après sont déjà prêts. Voilà, wesh, On wesh. n'a pas Donc commencé, les autres, vous commencerez à 21h. Nous, on va finir à 21, à 20, 20h59. On n'a pas commencé. On va dire. Ma pauvre Camille, resserre-toi. Hein, comme ça, t'es sûr d'être bien On va dire calé. bonjour. Il attend aussi pour le prochain, pour le match d'après. C'est le passe après, c'est Oh, regarde qui va Seb. là. Hey, Mister Seb, Hey! T'as vu, c'était pas comment tu prévu, vas en plus, genre, bien? tu l'attends. En forme? Ça va? Bon, le match Ouais, ça d'après, va. on attend El Passy pour commencer le premier match. Il est en train de se connecter, ça galère un Ah petit peu ouais, avec effectivement. Ah son ouais, vous êtes grave à la interface. bourre. Ah Ouais, bah. bah, grave, non, pas trop. Écoute, ça va, Mais. hein, on a jusqu'à 21h pour le second tour, là. Moi, je propose qu'on fasse Ah, mais un il y a même Camille! Camille, t'as fini ton apéro assiette? live. On peut faire un apéro live. Bon. Les gars, on a une organisation, Ah, faut pas ça qu'on part fasse complètement live! Seb, tu m'as envoyé un message tout à l'heure, tu m'as dit que tu le déclarais par forfait. Donc, t'as perdu, Ah normalement, oui. t'as pas le droit d'être en Non, live. non, non. Mais non, il est là, regarde. Si, si. Si, arrête-moi. Non, non. Bon, voilà le match après, vous l'avez en bas de l'écran. Ça sera Seb Geekmeol contre. Bah, elle est partie. Camille. Ah ben, La on s'est championne de sauvé. l'apéro live. Voilà, ça sera Oh. juste après. Les jeux sont prêts. Les jeux sont Voilà, les prêts. jeux sont faits. Bon ben, El Elle Passi, je t'aimais déjà, il bien. sonne au téléphone, Seb. Bah, s'il arrive. Il essaye de se connecter, il va se connecter. Bon, ça va? Vous avez passé un bon début de semaine? Ça Tout le va, monde? ça va. De là. Alors, ah, El Passi se connecte, donc vous avez dégagé. Juste avant, il faut que vous souhaitiez un bon Oh, tu anniversaire veux à qu'il arrive Tina. à me chercher? Faut que vous souhaitiez un bon anniversaire à Tina, c'est obligatoire aujourd'hui. Seb, tu souhaites un bon Bon anniversaire à anniversaire, Tina? Tina! Ouais, obligé, obligé. Ouais. Obligé, c'est le passage Moi, j'ai obligé. Et chanté, là, hein. Tu là, c'est bon. Happy birthday to you! Voilà. allez, on vous remet en file d'attente, à plus d'un mètre cinquante d'écart entre les deux, confinement et Et geste nous, barrière juste comme ça, oblige. on commence à quelle heure, nous? Au bas À après. 22h. 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 21h. Ouais, 22h, c'est Je vais mieux. continuer de manger. Heure française, Allez. hein. Heure Ouais. Ah, mais c'est française, bien, hein. on a le temps de prendre l'apéro, moi, c'est bien. C'est ça. Bah, Allez-y. viens, viens, on fait l'apéro live, Seb. Allez, Apéro, on s'en fout. allez. Je te jure, ça va. Et ton Oui, où concurrent est le passy? aujourd'hui Oh! est là, Wesh, El Passi. wesh! Qui pète Jem, mon frère? Ça va? Attends, Camille, attends, va-t'en. Parce que vous ne vous entendez pas, mais. Va-t'en, Camille! Non, c'est Oh bon, là t'as là coupé, là t'entends là! plus. Va-t'en, Camille! Oh. El Passi, t'as du son ou pas? Tu m'étonnes, nous? Apparemment, non. Bon, Parce ah, que là, faut que il tu a ranges l'air le de temps. parler, hein. Faut que tu ranges ta chambre, hein, c'est le bordel derrière. Je veux pas juger, mais à un moment donné. On t'entend pas. Mais fais-nous voir la coiffure! Ah, je vois Il est la pareil. coiffure. Je vais comme toi, hein. Zo, dis-moi de mettre un bonnet. On Voilà. t'entend pas, El Passi. Faut que tu parles plus Oh, on fort, faut que tu t'entend pas. Non. Ou monte le volume, je sais pas. C'est chaud On hein, pour un t'entend comme chanteur de si part de t'étais. son. Ou loin, on a l'impression que t'es un Maurice. T'es trop loin. Oh. T'es pas Maurice. T'es pas Maurice. Ah si. Allez. Quand El Passi est prêt. Avec mon son, moi je lance le règle du jeu pour ceux qui connaissent pas, qui nous rejoignent aujourd'hui. Ah bah ouais, comme ça, El Passi, tu peux régler Comme ça, tu ton peux régler problème ton de son. son. T'as une minute, moins d'une minute pour régler ton son. Allez, Voilà, débrouille-toi. sinon tu perds par forfait, hein. On a déjà décidé pour toi, t'inquiète. Allez, à tout de suite. Les règles du jeu du Config Game. Mon Dieu, c'est du grand n'importe quoi aujourd'hui. Les règles du jeu du Config Game, c'est ça, vous les connaissez. Et puis ceux qui découvrent aujourd'hui, c'est ça, les règles du jeu. Bienvenue au Config Game. Pour démarrer, laissez-moi vous préciser que le gagnant, il gagnera rien. Hein. Confinement oblige, les participants doivent être bien installés chez eux, que ce soit dans leur maison, leur appartement ou même dans leur château. Bah ouais, il y en a qui ont de la chance, hein. Et pour gagner, tout ce petit monde s'affronte dans un duel sans merci, en trois manches. Blind test,
quiz. Qui suis-je va chercher sont au programme de cette compétition. Le premier qui gagne deux jeux est qualifié pour le tour suivant. Et le perdant, bah, il est éliminé, il rentre chez sa mère, quoi. Mais attends, il fait son gage avant de partir, hein. Alors, ça sera qui notre champion? Bah, pour le savoir, il faut regarder sur la chaîne C'est pas sûr, du lundi au vendredi à 16h. Et toi, tu fais quoi? En attendant, bonne chance aux participants du jour. Problème d'internet, peut-être. Bon, bah, le perdant, il perd rien. Voilà. Allez, on verra les règles du jeu un autre jour. Ça marche pas. Hein, quand ça marche pas, ça marche pas. Ça a coupé. Ah, ça marche pas. Allez. Oh, si, c'est bon. Alors, El Passi, est-ce qu'on a du son? Bonjour, El Passi, comment ça va bien? Bonjour. Ça va, tu m'entends? Waouh, t'es loin, mec. Ouais, très loin. Va voir que tu cries, hein. Oh, tu cries, hein. On t'entend pas trop. Crie, voilà. Tu cries rap jusqu'à 22h. Il est temps que ça se termine. Oui, ah, c'est mieux. Mais toi, t'entends bien par contre. Est-ce que j'essaye? Tu m'as éclaté une oreille, toi. Allez. Ouais, vas-y, on va commencer sans toi. Bah, alors, premier jeu. Oui, voilà. Allez, non. Premier jeu. Ouais. Allez, dépêche-toi. Allez, on y va avant que. C'est quoi? Maintenant, ça, c'est le. Rien avant. Allez. On y va. En plus, c'est un jeu de mémoire. Vous aimez les jeux de mémoire? Ouais. Ah oh oui, moi j'adore. Oh oui. Enfin, on adore. Écoute, je réponds pour El Passi, vu qu'il n'a pas de son. Voilà. Il a sorti les mêmes AirPods que moi. C'est les anciens, c'est les AirPods, mais avec des fils. C'est l'AirPod du pauvre. Les mêmes AirPods. Oh my god. Allez. Ça va pas rentrer. Hein, il n'y a pas de son. Bah, on t'entend mieux, là. On t'entendait beaucoup mieux. Réessaye, remets. C'est bon? Ouais. Ah bah, bon. Là, on t'entend. Ah, ouais, c'est mieux. C'est tout à fait. Il a changé de voix. Bon, non, on va pas te demander de chanter aujourd'hui. Allez, on y va. Allez, on y va, on fait un jeu de premier jeu de mémoire. Alors, c'est des variantes, je ne sais pas si vous avez vu hier ou avant-hier, ça fait 2-3 fois qu'on le fait, ce jeu-là. Là, c'est une variante où vous allez devoir mémoriser des choses qui vont apparaître à l'écran maintenant. Voilà, ça a apparu. Je vais vous montrer donc des objets. Il y aura plein d'objets dedans. Pendant une quinzaine de secondes, il va falloir retenir un maximum d'éléments et après je vous pose des questions. D'accord? Vous avez compris le concept ou pas? Oui, ouais. Bien sûr. Mais ils sont où les il est où le truc? C'est caché pour l'instant. Faut pas qu'il y ait de triche. Ah, excuse-moi. Alors attention, je vous montre pendant 20 secondes pour le premier. Attends, je prends des notes. Non. Attends. Alors. Un peu tout d'abord. Oh là là. C'est bon. Allez, je cache. Hop là, c'est caché. Alors, première question, elle est pour El Passi. El Passi, combien y a-t-il de carrés? Quatre, tu as dit? Ouais. Ok, on note, on vérifie après. Mais c'est une bonne réponse. Allez, Flo, combien il y a d'objets orange? Alors là, pour moi, tout est orange dedans, donc je dirais qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu dis 6, il y en avait 2. On va vérifier après. El Passi, combien il y a de cercles? Cercles. 7 cercles? Ouais. Il y en avait 6. Ah. Flo, combien il y a de triangles jaunes? 2. Attends, je regarde dans mes notes. Il y en avait un. Oh, mais j'arrête pas de perdre. C'est quoi ce jeu? Donc, un point pour El Passi sur sa première épreuve. Ah, il y a de la triche là-dedans. En trois matchs. Je suis pas d'accord. 1-0 pour l'instant.
À chaque fois que je vous pose une question, c'est un point. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un point sur ce premier truc. Hop, je mets le score pour Monsieur El Passi. Hop, hop, El Passi, mon mec du son, il arrive à gagner. Attends, je note. El Passi, tu avais éliminé Big Frankie au premier tour et en huitième de finale, tu avais éliminé Grégory Thiboudois, pardon. Et là, il y a du niveau. El Passi, il rigole pas. Tu vois plaisanter, toi, tu l'as connu, tu le connais à côté, etc. Tu sais que c'est le premier à faire l'idiot ou à chanter ou à, voilà. Là, de là, il ne plaisante pas, mais pas du tout. Il est concentré. Il me laisse galérer à parler tout seul. Mais c'est pas grave, il s'en fout, il veut gagner, il est concentré. Oh, El Passi. Oh! Des fois, il voit que je rabe et tout pour parler. Non, il s'en fout, il est dans son match. Allez, 20 secondes aussi. C'est parti. Oh! Ah, c'est un truc de folie! Ah, oui. Oh. Oh là 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 là. Chut, elle passe, se concentre. Pas parler. Oh là 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 là. C'est affreux. C'est bien, non, vous l'avez bien en tête. C'est ce qu'on disait, ça a changé hein, le config. C'est fini, il va chercher une bouteille, il va chercher un truc bleu. Ah, c'était mieux quelque part. Hein. C'est beaucoup mieux. Je préférais. On y va. Question pour Flo. Un champion. Flo. Oui. Combien y a-t-il de triangles ? Il me semble qu'il y en a 4. Bonne réponse, Flo. 4 triangles. Wouh ! Yeah ! Hey ! Première bonne réponse. El Passi, combien il y a de ronds blancs ? Combien ? Un seul ? T'es sûr ? Bonne réponse. On y va avec Flo. Combien y a-t-il de ronds ? Alors, les ronds, il me semble que j'en ai compté 1, 2, 3, 4, 5. Il me semble que j'en ai compté 6. Il me semble, je suis pas sûr. Ouais. Et bah, dès que tu sais compter jusqu'à 7, tu auras la bonne réponse. Mais c'est ce que j'ai dit. Il me semble qu'il y en avait 6 plus 1. Oh, Monsieur El Passi, combien y a-t-il d'objets verts ? Ça, c'est une bonne question. Oui, je sais. Et tu me remercies d'avoir posé. Vert. Alors, vert. Je sais pas, j'ai dit deux. Au hasard ? Ouais. Au pif. Mais c'était 3. Ah ! Un partout. Allez, à mon tour. Un partout sur cette manche-là. Alors, ça fait 2 pour El Passi. Je pose 2 questions chacun à chaque fois. Hein. Et 1 pour Flo. Allez, le dernier dès que je retrouve. Là. Ouais, Pascal, on t'entend mal, faut que tu parles un petit peu plus fort. Non, El Passi, s'il te plaît, pas Pascal. Oui, El Passi, pardon. En dehors des lives. C'est quand on fait des bisous. Oh, pas Allez, vous êtes prêts ? Attention, là, vous avez 30 secondes. Parce qu'il est un petit peu... Oh. Je me suis fait plaisir. Oh, mais c'est quoi ce truc ? Mais vous êtes fous ! Oh oui, Benny B, B-E-2-A-Y-B. Il y en a des formes, il y en a des trucs. Hein. Ah, est-ce qu'il faut compter les ronds, les triangles? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais, là, là. Oh là, je comprends rien. Ouais, non plus, j'abuse. J'avoue, j'abusais. Même moi, je voudrais pas être à votre place. Allez, oh. On cache. Aïe, 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 aïe. Allez, on y va. Je mets mon écran. Voilà. Hop. Hop, vous êtes tout. Vous êtes prêts? On commence avec Flo, du coup. Oui. Flo, tu vas me dire combien il y a d'objets verts. De mémoire, je te dirais 4.
Bonne réponse, Flo qui égalise. Oh El Passi. Yes El Passi, combien y a-t-il de ronds? De ronds, les cercles. Neuf ronds. Attends, je la compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 7. Encore 7. En fait, j'ai pas copié-collé, j'ai changé la couleur. Flo, au lieu de rigoler, combien il y a d'objets violets ? Violet ? Mais zéro ? J'ai pas vu d'objet violet là-dedans. Il y en a un. Oh, Modai, c'est faux, il n'y en avait pas. Remontre. Il n'y en avait pas. Bah non, parce que je me promets, je te remonte après. Je vais effacer. Natacha avait la bonne réponse. Ah, j'ai essayé. Hein. On continue avec El Passi. Soit vous restez à égalité et on fera une mort subite, soit tu gagnes cette première manche. Ouais. Combien y a-t-il de ronds bleus, El Passi ? Il n'y en a pas ? Si, il y en a. T'as vu qu'il y avait un piège ? Ou tu penses qu'il y a un piège ? Ouais. Non, moi je te dis, il n'y a pas de piège, El Passi, il y en a. J'en ai vu, j'ai compté, ouais. Ouais. Il y a deux. Hein. Chut. 3. Flo, t'as la réponse ou pas? C'est pas ça. Flo, oui, moi j'ai la réponse. C'est 1, il n'y en a qu'un. Voilà, il y en avait 2. Voilà. Et Natacha avait la bonne réponse. Alors, pour l'instant, il y a donc 2-2 sur ce jeu-là. On fait mort subite, je vous pose des questions. Puis vu là que ça fait 2-3 minutes que le truc est passé, ça va être un petit peu à la chance. On est d'accord? Alors, on y va. Combien il y a de carrés jaunes ? Carrés jaunes, je dirais qu'il y en avait 3. Il y en avait 1. Pourtant, j'ai croisé tous mes doigts. J'ai vu comment t'avais l'air sûr de toi et tout. Oh la vache. T'as eu peur ou pas, El Passi ? T'as vu la confiance qu'il a eu dans la voix ? Ouais, des ouais, carrés. C'est ouais. Modai, quoi. Modai. Combien il y avait de triangles pour El Passi ? Waouh, c'est pas un chiffre. Combien ? 4. Il y en avait 8. Moi, j'ai la réponse. Vas-y, pourquoi t'as répondu ? J'allais dire 8. Alors, combien y a-t-il d'objets verts pour Flo ? D'objets verts ? Mmh. Oh là là, d'objets verts, il me semble que j'en avais compté que 2, mais je suis pas sûr. Mais voilà, on va dire 2. D'accord, 4. Point où on en est. Ah, je suis nul aujourd'hui, c'est trop tard. Ouais. Le truc, c'est interminable. El Passi, combien y a-t-il d'objets orange. 2. 4. Bon, allez. Alors, attendez, je vois. On n'est pas sorti de l'auberge aujourd'hui. Alors, on va faire un bout de papier, hein, on peut rappeler du truc. Hop, voilà. Tu vois, il y avait bien un rose au milieu. Ah ouais. Ah ouais, les bleus, il y en avait 4. Ah oh, bah zut. Alors, ah ouais, le rose. Ok, regardez bien l'image, je vous pose une dernière question sur l'image, ok. Vous regardez bien, hop, c'est fini. Je vous pose la question et vous allez pouvoir répondre tous les deux. Tu vois qui sera le plus proche. Combien y a-t-il d'objets ? Donc, 23. Ouais ! C'est une bonne réponse pour toi. Yeah ! Ah, yes ! Marche. Woo ! On va faire comme ça. Hein. Faut que ça cesse cette épreuve. Alors, une bonne réponse pour Flo. Premier point pour Flo qui mène 1-0 sur ce quart de finale du Config Game. Wouh !
Yeah. C'est dommage parce que, en fait, j'attendais que tu gagnes, El Passi. Parce que dès que tu gagnes, aussi, hein. je mets ton cap. Il est là, il est prêt. Ah, t'as intérêt à gagner. Il attend, regarde. Il attend ton clip. Dès que tu gagnes, je le mets. Pour l'instant, t'as pas gagné, je le mets pas. C'est con. Wouhou! Bon, elle passe. Il va falloir bouger, là. Bouger. Il faut bouger. Alors, avec le son qu'on a, s'il y en a un qui a compris un mot, c'est un jeu. J'ai bien compris. Oh, oh, je vois ton clip, El Passi. Ouais. Bah... Oh, peut-être que lui ne le verra royal. Pas. Allez, non, jeu, pas bon. Deuxième jeu, ça va être un mix de plein de choses, c'est chansons à trous. Ok, je vous lis une chanson. Je vous lis une chanson française, classique hein, que tout le monde connaît en principe, et je fais de à la place du mot et chacun votre tour, vous donnez le mot qui manque. On commence par Flo, ne me quitte pas, Jacques Brel. Oh là là. Attention, tu as 5 secondes pour répondre parce que je sais qu'après ça va dans les commentaires. Donc tu as 5 secondes, si tu n'as pas répondu, on passe à. Le point, il va pour l'autre. Voilà. Ok, allez. Okay. Ne me quitte pas, il faut t'oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublie le temps des. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois, coup de pourquoi. Non, c'était juste malentendu qu'il fallait. Du bonheur. Bah, attends, en fait, bon, attends. Malentendu, allez. T'en as trop fait. Hein. Allez, à toi, El Passi. C'était les mots de trop. Alors, on y va. El Passi, Charles Aznavour, La Bohème. Oh, trop facile. Et après, tu ranges ta chambre. Non, mais c'est bien de choisir son endroit pour le live. Chac ! Ah, ça casse. Moi, j'ai choisi un mur pour pas avoir d'histoire comme ça, tu vois. C'est quoi ce bordel derrière ? Il y a des casques de moto. Oui, il y a une moto aussi. Hein. Il y a une... Oui, c'est vrai, il y a la moto. Ah, mais tu fais dans le garage. Hein. Il y a des fringues. Il y a des chaussures, il y a des câbles, il y a des boîtes. Ouais, alors je vois des meubles à chaussures. En fait, moi, je vois tout. Là, je vois autant que ça, aussi bien que ça. Bon, allez, El Passi, La Bohème, Charles Aznavour. Qui nous servait de nid, ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus. Moi qui criais famine et toi qui... C'est facile, El Passi. Et toi qui... On t'entend pas, parle plus fort. Tu parles plus fort. Assume le fait de pas connaître. Tu sais pas. Flo, et toi qui posais nu. C'est ça. Allez, 1-0 sur le premier. On continue avec Flo, France Gall. Résiste. Résiste pour que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde. Résiste, non, pas tout, de fou. Dans ce monde de fou, je crois, non? Refuse ce monde. Ah, refuse ce monde. Égoïste, t'es je chaud. Crois. T'as des choses, c'est une bonne réponse. J'allais le dire. Oui, parce que ça peut citer là. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Yes! Résiste. En plus, j'aimais bien. Et je crois que Jennifer a fait une nouvelle version et c'est celle-là que je connaissais, mais je me souvenais pas trop. Donc, ça... Ah, tu es fan de Jennifer. Allez, à toi, El Passi. Tu veux qu'on en parle? Non, pas du tout. Écoute, j'ai failli rencontrer Jennifer, si c'est ce que tu voulais entendre. Un peu comme Marlène, tu vois, je l'ai croisée sur une plage. Enfin, j'ai failli la croiser. J'étais 30 secondes en retard, quoi. Elle est passée, moi, je suis passé après. Alors, c'est bien quand tu parles de... Parce que Marlène te traite de tricheur quand même devant sur tout le monde. Ah bon? Pourquoi? Oui. Oh, Marlène, tais-toi. C'est toi qui trichais. Il y avait tes filles avec leur portable devant toi. Et je le savais. Ah. C'est bon. Allez, El Passi, je pense que ça va pas être ta cam. Alors, Patrick Bruel, la place des grands hommes. Est-ce que tu me
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce genre de chanson? Allez, El Passi. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura sur les marches de la place des grands hommes. Oui, yes, wouh, bravo, yes, brother, oh non, non. Alors, dernière chanson, là, il faut que Flo se plante et que tu puisses répondre derrière pour égaliser. Faut trouver le titre sur cette dernière, là, trouver le titre de et l'auteur, l'interprète de la chanson, ok? Ouais. Flo, tu commences, si tu as la bonne réponse, tu marques le deuxième point et tu es qualifié pour les demi-finales et tu rencontreras Mr. Love et Emily Bullock demain en demi-finale. Ah non, moi je veux pas, hein. El Passi, tu iras. Moi je veux pas. Oh, mais ils seront deux contre moi, tu t'imagines? Non, mais ça va pas, non. Allez, allez, vas-y, balance. Alors, je vais te répondre au pif. On va faire le premier qui trouve. Ah bah voilà! Yes! Je lis les paroles. Allez, on t'écoute. El Passi, parle bien fort, parce que si je t'entends pas, ça va être compliqué. Je mets mon casque à fond, donc Flo, parle moins fort, par contre. Sinon, tu m'arraches une oreille. Crie, El Passi, crie. Je crie. Ah là, j'ai pas commencé. T'es rentré dans ma vie comme dans un freestyle. T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas de taille. Le titre et James. L'interprète. Hein? James? James, non. Moi, je dirais Soprano. Non. Ah, dès qu'elle a répondu dans les commentaires, ça arrête. Hein. Bon, allez, répondez là dans les commentaires, non, 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 vite. J'ai pas 50 jeux derrière. T'as dit quoi, El Passi? Redis les paroles, s'il te plaît. Oui, tout à fait. T'es rentré dans ma vie comme dans un freestyle. T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas de taille. Ben c'est Maître Gims. Voilà. On va finir comme ça. Ben voilà. Alors, on finit comme Maître ça. C'est Gims. Pas ça. Elle t'a si une proposition. Non, bon, c'est Aya Nakamura. Pas du tout. Est-ce Aya que Nakamura. Vous l'avez vu, vous pouvez jouer dans les commentaires si vous voulez. Juste pour... Non, non, écoute, il n'y a pas du tout dans les commentaires, il n'y a personne qui répond. Ils nous ont tous peut-être lâchés, bande de lâcheurs. C'est l'artiste personne qui répond. Chocolat, l'artiste. Ouais. Oh là 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 là, c'est chaud, hein. C'est très chaud les paroles. Hein. Chaud, chocolat. Ah, Seb l'avait, mais une demi-heure après. Une fois qu'on... les réponses après qu'on les ait données. Et là, on fait le live, là, il est 19h10, donc les autres attendent. Ouais. Je suis attaqué par des milliers, tu sais, comme il y a des lumières, par des milliers de pucerons, de papillons, de machin, c'est casé là, dans le salon. je suis attaqué partout. Non, je pense plutôt, c'est Jurassic Park. Alors, attends, le plus rapide, soit El Passi égalise, soit Flo remporte ce quart de finale avec cette chanson. Il faut trouver l'interprète et le titre de la chanson. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdis, désemparés, je reste là. Oh là là, je dirais que c'est la Saint-Jean, Patrick Bruel, voilà. Pas du tout. Ah non, c'est pas ça. Francis Cabrel non plus. Redis-nous les paroles. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdis, désemparés, je reste là. Ah, ah, c'est la foule Edith Piaf. Bonne réponse. Ah, c'est dans un commentaire? Non, c'est pas en commentaire. Tais-toi, toi. Moi, je l'ai pas entendu. Tu l'as dit c'est avant. C'est pas en commentaire. Hein. Le dernier commentaire dit on est là.
Ça m'avait trouvé. Victoire de Flo. Ouais. Mais zut, alors c'est demain contre Emily et truc. Alors El Passi, je te cède la place. Bravo. Bravo El Passi. Bravo. Ah non, et tant, Mr. Love et Emily, oh, c'est des tueurs. Tu rigoles ou quoi? Il y aura deux cerveaux. J'ai le droit de prendre El Passi dans mon équipe. C'est un problème, c'est un problème de connexion après. Ah, oh, zut. El Passi, t'habites où? Près de chez moi? Non, je viens chez toi. Non, peut-être pas dans ton garage, tu viens dans le mien. Il rentre pas. Peut-être entre le casque et le... On portera des masques, t'inquiète, et des gants aussi, et on se désinfectera avant et après. Ah ben c'est bon Alex, c'est bon. Donc demain moi aussi je vais être en bino. Parce que Emily et Mr. Love, attends, ils sont trop forts, tu rigoles quoi. Je vais me faire massacrer. Ils vont me déchirer. Et Mr. Love en plus, ah non non non, sur les chansons, schwack. J'aurais même pas le temps de faire. Trop tard. Trop tard. Ça sera demain, mais bon, allez, on va quand même écouter un petit bout de ça avant d'accueillir le deuxième match. Et faut que tu réfléchisses au gage d'El Passi, parce qu'il va pas s'en tirer comme ça gratuitement. Pas déconner. Ah bah écoute, tu vas chanter La Foule d'Edith Piaf, ça te fera les pieds quand ça me rendra un peu. Alors par contre, tu le remixes, hein, tu le mets en créole, tu mets ton beat à toi, te personnalises, dis, tu te l'appropries, hein, tu te fais des affaires, maman, chocolat. Et en attendant, on écoute Charme Royal. Charme Royal. Yeah! Ouais! Comme Origo, vivre ça qui pour toi, sauver flé, tu doux pour mal à soi, wah wah wah. Ah, je connais les danseurs. Petit sourire, c'était une explosion pétale qui peut fleurir dans une saison l'amour. À nous entrelace, nous les bras, ouais, tout est tout. T'as vu, il nous a abandonné. Hein. Je vois, je vois. Ah, je voyais plus. Ah non, non, pas de pub. Si vous voulez voir la fin du... Non, mais c'est pas... Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais attaqué par les décideurs. À manger qu'à boire dans ma... C'est bourré de protéines là-dedans, mais... C'est bien, écoute, ça te permettra de faire une bonne sèche et quand tu sortiras du confinement, tu seras tout beau hein, et tout musclé. Hein. Oui, bah, je marche du salon à la cuisine au salon, je parie que tu te fais même flasher des fois. Somme Royale, c'est sur YouTube, c'est sur téléchargement légal aussi si vous voulez voir la suite. Vous pouvez se connecter et s'abonner sur les réseaux sociaux. Voilà, d'El Passi, entre autres. Yes, ouais. Comme moi. Bah oui, comme Flo aussi, vous retrouvez des covers tous les jours, deux par jour, des covers à la demande. Allez-y, il en a quelques-unes de retard. Je crois qu'il a 6 mois de retard. mais allez-y sur Flo, les réseaux sociaux. De toute façon, il y a le lien dans les commentaires une petite heure après la diffusion de la vidéo. Yes. Tout le monde. Wesh, wesh. Vous pouvez le chercher. Merci beaucoup, le gage. El Passi. Bleu. Ah, merci, merci. Super, j'adore. J'avais pas compris le début. Merci, merci. C'est ça. Et merci à Noëlla qui m'a fait la base musicale. C'est juste waouh, quoi. Alors, attends, dans les commentaires, il y a plein qui disent, El Passi l'a dit avant. Je n'ai pas entendu avant, vraiment. Tu l'avais dit avant ou pas? Parce que moi, je m'en fous. Les gens, ils
Moi, j'ai pas entendu et Farah sur le replay n'a pas entendu non plus. On essaie de regarder et tout, on n'a pas entendu le passer avant. Alors, on me dit, Flo, tu es un tueur. On va t'en éliminer du monde. Mec. Débrouillez-vous pour demain. Flo, en tout cas, qualifié. Vraiment, voilà, on a pas entendu. On a essayé d'écouter le replay et tout. On n'entend pas El Passi le dire avant. Chac. Tu vois, quand on triche, il faut savoir tricher, El Passi. Même quand tu triches, il faut savoir comment faire. Et promis, ce soir, je regarde le replay ce soir. Et s'il y a problème, demain, bah voilà. Oui, Skywatch, bah demain, on change. Moi, ça me dérange pas si tu affrontes Emily et Mr. Love à ma place. Ça me dérange pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. T'en fais pas. Skywatch a mis 50 fois. Oui, j'ai compris, Skywatch, que tu avais vu qu'elle est passée avant. Mais alors, je pense qu'après, tu es super ami avec El Passi. Ça peut être. Après, bon. Je sais pas. Oh, ce sweet! Oh, c'est trop gentil! On a marre de faire des lives et tout. Et... Attends, ouais. Emily et Mr. Love, là, ça pardonne pas. Hein. Demain, je vais me faire déchirer, laminer. Chouac! Deux cerveaux, quatre yeux, tu rigoles, quoi. Question. Le gage, on le fait ou pas? El Passi. C'était quoi le gage? El Passi. Va chanter La Foule. Il connaît pas. D'Edith Piaf. Je connais pas. Il connaît pas. Pas encore. Alors, demain, on diffusera la vidéo que tu nous enverras. Hein, même 30 secondes, t'inquiète. Allez, tu nous envoies ça. T'as entendu, Alex? Ouais, j'ai entendu. J'ai entendu. Ouais. T'aurais pu dire. Oh. Mais non. Encore, te mettais en créole, te mettais dans te propre laceuse. Maman, nouveau tube de l'été. Oh, bon. Non. Hey après, un combat de violent. Merci les gars d'avoir participé. Flo, à demain. Il n'y a pas de quoi. À demain. Bye bye. Bisous. Embrasse tout le monde. Bye bye. Ciao. Bye bye. Voilà, c'était le premier match avec victoire de Flo. Et puis, bah, les autres ont commencé l'apéro. On voit Geek Meal déjà en train de... Ça va, on ne dérange pas? C'est vrai, il ne revient pas quand il met à l'écran, direct. Et t'as mis genre aller à l'eau. Genre, juste avant, elle a bu de la bière et de la vodka, tu vois. Quelle arnaque. Ça va, ça va. Ouais. Est-ce que vous avez souhaité... Ça va et toi? Ça va, sauvage, je veux dire, dans le garage. Allez, c'est pas gentil Marlène, on a dit qu'on ne faisait pas l'inventaire. Allez, Seb, tu... Non, je vais commencer par Camille, on va commencer par Camille d'abord. Premier tour, tu as éliminé Black Tea, j'ai envie de dire, haut la main. Oui. Au huitième de finale, tu as joué contre Daryl, tu as éliminé Daryl. Et le quart de finale, je vais éliminer Seb. Oh. Vendredi à l'apéro live, tu as éliminé deux bouteilles de vodka, une bouteille de rhum. Une bouteille de whisky. Non, la championne. Catégorie. Et Seb a été éliminé au premier tour par Daryl. Ouais. Mais tu as été repêché pour sauvetage du live contre Thierry et Benaja. Et en huitième de finale, tu as... Donc t'es déjà un loser, toi. J'ai écrasé le nom. Écrasé nous. Mais alors, une bouchée comme ça. Ah, ce combat. Ce combat, ah. Il va être... T'es déjà un loser d'entrée, en fait. Eh, calme-toi, hein. Attention, hein. J'ai quasiment envie de vous laisser le live tous les deux et me barrer. Ah, ça va être chaud. De toute façon, on est trois Français, là. On est trois Français sur un live. Alors là, ça ne peut que partir en couille. Hein. Désolé, ouais, c'est clair. On peut picoler, on peut dire des gros mots. Voilà. Ça va être pire que l'apéro live. Alors, Camille, tu es à Maurice. Seb, tu es à La Réunion. Oui. Seb, tu es déconfiné à partir du 11 mai. Mais il faut pas oublier qu'on est français quand même.
Bah nous ouais parce qu'on a eu des aides là pendant le confinement mais toi voilà bon mais alors Seb tu es déconfiné le 11 mai donc lundi prochain. Camille tu es déconfinée le 1er juin. Le 1er juin. Non mais je retourne en France donc je serai déconfinée avant. Bah faut qu'il y ait des avions pour ça ma belle. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé comme dit Sarah, ouais. Effectivement. Allez, c'est parti. On va commencer avec qu'est-ce qu'il me reste comme jeu parce que je crois que je les ai tous épuisés. Alors le petit bac, je crois que vous avez dit, c'est un petit bac. Le petit bac. On va faire un chifoumi et après on va faire un pile ou face. Un chifoumi. Un chabit. Je suis très fort au chabit. Chifoumi. Ah ouais, ça commence. Allez, vas-y, Sam, chifoumi. Non, c'est pas ça que le jeu. Chifoumi. Pourquoi tu Je m'excuse pour tous les gens qui sont sur le live et qui regardent. Je sais pas ce qui va se passer, honnêtement. Demain, en finale, vous retrouverez donc Emily Bollock et Mr. Love contre Flo et le vainqueur du match là qui va se dérouler là tout de suite entre Seb et Camille qui est là. Rencontrera le vainqueur d'hier qui est je ne sais plus qui a gagné hier. Bravo. Qui a gagné le deuxième match? Comment ça vous n'avez pas regardé? Non. On regarde que nous. On regarde pas les autres. Bravo, c'est bien, bravo de suivre le live comme ça. Non, j'avais une compétition, donc je ne pouvais pas regarder. C'est ça, c'est vous qui cassez le truc là. Ah là là, vous pourriez au moins faire l'effort de faire semblant de regarder. Anastasia Duval était au boutonnet. Mais non, je savais, c'est pour voir si vous suiviez ou pas. Mais oui, bien sûr, oui, on suivait, mais de loin. Voilà. Donc, pour ça, le demi-finale. Marlène, je t'adore, qui dit elle rentre en paddle au lieu de rentrer en avion. C'était pas trop marrant la blague, mais bon. Si. J'imagine sur le paddle. Allez, on y va. Premier jeu de mémoire. C'est pas le même jeu que tout à l'heure, c'est un autre. C'est un jeu de mémoire, donc. Et le jeu, il est où? Il est pas là, il est là. Hop! Je vous montre des objets. Là, c'est pas des couleurs, c'est des objets, des triangles, des ronds, des carrés. Et il va falloir les remettre dans l'ordre de la gauche vers la droite. Ok, c'est capté? Ok, concentration. 10 secondes pour voir les objets qu'il va falloir donner en ordre chacun votre tour après. C'est ça des objets? Oui, c'est des objets, des formes si tu veux. Concentre-toi, le juger. C'est le jeu des couleurs, c'est ça, hein? C'est ça. On peut dire quelle couleur ça, après. Toi, tu t'es bien concentré, on va voir ce que ça donne. Attention, je retire. Allez, on y va. Premier objet, on commence par Camille. Un rond. Oui, c'est bon. Je pars d'ici. Seb. Give me all. Un triangle bleu. Un triangle bleu, oui. Bleu, t'es pas obligé de pas dire. Demandé les... Pourquoi t'as pas demandé les couleurs, ils sont tous bleus. T'as raison, concentre-toi. Camille, après. Un rond. C'est un rond. Seb. Un carré. Est-ce que c'est un carré? Oui, c'est un carré. Camille. Un carré encore? Ah oui, deux carrés. Seb. Un triangle. Si vous avez triché, je m'aperçois qu'il y a une photo qui a été prise ou un truc comme ça. Je vous ai mis. Mais non, mais c'est facile, je te le dis maintenant, même la combinaison. Non, arrête. Seb, à toi. C'est moi qui viens de le dire. Non, c'est à moi de dire. Oui, Camille. Bah, non, Seb maintenant. Seb maintenant. Ah, ok. Un rond. Un triangle. Ah là, un point pour Camille. Parce que vous avez mis un sur deux, bande de petits tricheurs. Hein? Là, t'as dit un rond, c'était un triangle. Vous avez appris un sur deux. Non! Il t'a dit un triangle, je t'ai dit un triangle, il t'a dit un rond. Quelle mauvaise foi, Solex, c'est quoi qu'on triche? Là, t'as dit un rond, là, juste avant, c'était un triangle.
Oui, non, c'est moi qui ai dit le dernier triangle. Et lui, après, il a dit un rond. Admettons. Fatigant. Non. Admettons. Non, non, attends, attends, allez, un rond. Camille. Un triangle. Bah, tu sais dire que triangle, quoi. Un triangle. Bah, c'est la vérité. C'est un. Alors là, je ne me rappelle plus du tout. Ça va être au pif. Je vais dire un rond. Mais je me souviens. Non, non mais, désolé, je ne me souviens plus. C'était le. Mais c'est bon, Camille, bah, t'as un point. Râlez pas, t'as un point. Oui, mais c'est pas ça. Mais il est con, il est con, il est con. Il a plus de lunettes. Voilà. Attention. Sans la bonne humeur, hein. Ouais, on s'amuse, hein. On s'amuse, on s'éclate, on est là pour divertir hein, pendant le confinement. Bon, on y va, deuxième. Un peu de concentration et un peu de sérieux, s'il vous plaît, dans ce jeu. Merci. J'adore Camille, t'es trop bonarde. T'as vu, j'ai pas affiché. Allez, on y va. Hop. Concentration. Allez, hop, on cache. On cache, on cache. Camille, tu regardes bien l'écran. Geek Mio, vous regardez bien l'écran. Si vous détournez les yeux, vous perdez un point à chaque fois. Putain, mais ça va. Vas-y. Si vous détournez les yeux de la caméra, vous perdez un point. Eh, tu viens de détourner. Bah, je regarde là-bas, il n'y a rien. Là-bas, pas là-bas. Il n'y a rien. Je regarde en l'air. Où sont vos téléphones? Je veux pas de triche, hein. Je veux pas de. Mon téléphone est en train de charger, j'ai même pas de téléphone. Là, je suis en train de perdre le fil du truc. Allez, balance le truc. Je sais, c'est fait exprès. Je peux vous chanter une chanson? Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Camille, tu regardes quoi? Je regarde, ok, je sais, moi, les objets. Ah, ok. Vous dites pas dans les commentaires. Hop, c'est parti. Camille, premier objet. Rond. Rond. Seb. Triangle. Triangle, c'est une bonne réponse. Camille. Carré, c'est une bonne réponse. Oh la vache. Triangle. Triangle, c'est une bonne réponse. Camille. Carré. Carré. Seb. Rond. Rond. Camille. Attends. Camille, si tu détournes les yeux, tu perds. Non, mais putain, mais c'est dingue ça! Je réfléchis, je ferme les yeux! Camille, c'est pas une tricheuse! Faut non, mais moi oui, donc je connais ici, les astuces. Je suis tricheuse ici, mais pas là! Pas là! Carré? Rond? Je sais pas. Ah, alors attendez. Carré pour Camille. Et c'était un rond, un partout. Mais c'était quoi après ça? Attends, je vais te montrer. Attends, je mets le score. Hop. C'était ça après. Carré, triangle, triangle. Ah, il y avait un carré, il y avait encore un rond, c'est pour ça. Mais attends, tu vois, j'étais pas loin. Ça. Dernier, donc forcément, il faut un vainqueur. Celui qui gagne remporte ce premier jeu. Je crois qu'Alex est fatigué déjà. Non, 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 non. Mais ça, c'est non, pas non. Notre problème. Oh, les gros qui gagnent, il y en a ras le. Demain, demi-finale, jeudi, finale. Ouais, après, on fera que des apéros live. Et vendredi, peut-être on vous réserve une surprise, mais sur ces cooks. Je vous confirmerai ça demain. Allez, on y va avec ce troisième jeu. Ici. Ah, je vous ai bien eu, hein, c'est des couleurs maintenant. Ah, il faut faire par couleur ou pas? Oui, couleur. Non, pas. Il faut dire si c'est un rond ou un carré. T'es drôle, en fait. Ouais, ouais, t'as vu. Quand je peux. Attends, juste une question. Oh là 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 là. Le premier rond. Le premier rond, ça sera orange. Voilà. Ok. Alors, attends.
fait caca ou réfléchis? Ta gueule. Parce que moi, quand je fais caca, j'ai la même tête. Allez, on y va. Oh, il est horrible. Non, mais... Bah, c'est bon. Allez, on y va. On commence par le orange. Et le orange... Et après, le orange, ça sera quoi, monsieur Geek Mioul? Ouais, c'est, j'ai déjà tout perdu. C'est, je dirais rouge. Alors, le orange, il est là. Voilà. Et le rouge, est-ce qu'il est là? Oui. Camille. Ça m'a fait perdre le fil. Hein? Jaune. Vert. Jaune. Ah, d'accord. Ok. Ah, mais je viens de comprendre, en fait, vous avez un décalage avec le live. Donc, en fait, les premiers, vous les aviez faciles en regardant le... un petit retour. Non. Non, non, mais tu crois qu'on triche vraiment? Mais, quoi, mais, grave, mais grave. Qu'est-ce qu'il a, lui? Mais, écoutez-moi bien, les deux. Écoutez-moi bien, ça fait quelques lives qu'on fait ensemble. On a passé quasiment un mois et demi ensemble, quasiment tous les jours. Je commence à vous connaître. Donc, je sais qu'il y a mon téléphone, il est là, derrière, en train de charger. Voilà. Il est même pas là. Et moi, il est au bout de la table, là. Ouais, ouais. Mais alors, toi, t'es sur ordinateur, seul. Donc, si tu ouvres un autre onglet avec le live, t'as le décalage. Ouh. Donc, me faites pas le coup de mon téléphone, il charge derrière. Si on veut gruger, on peut gruger. Et là, je vous ai bien embrouillé en principe. On y va. Donc, c'est à moi, c'est ça? Ouais. Je me rappelle plus, je dirais jaune. Ah, oui. Tu dirais jaune. C'est mauve. C'est mauve. Ouais, mauve, violet. Tu les avais après, Camille, ou pas? Après, c'était quoi, Camille? Camille, après, c'était quoi? C'était double mauve. C'est je crois. Il y avait encore mauve après, ouais. Ouais, et après? Après, il y avait orange ou rouge, je sais pas. Rouge. Okay. Ouais, et après, bien. C'est orange. Oh, c'est bien. Après, c'est mauve, blanc, rouge. Ouais. Bien. Bon, bah, première manche pour Camille. Faisons maintenant la deuxième manche. Hop. Hop. Non, Farah, je triche pas. Putain, mais c'est fou comme les gens, ils ont confiance en moi, tu sais. C'est bon, c'est pas parce qu'il y a écrit français qu'il y a écrit tricheuse sur le front. Tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, c'est clair, c'est ce qu'on dit. C'est pas parce que j'ai triché au Monopoly que je triche de partout. Aussi. Allez, vous on avez la prochaine fois. Oui, bah oui, facile, ça m'arrive. Bon, salut Daryl. Daryl est dans les commentaires. Ah, Daryl est dans la place. Daryl est toujours à l'apéro, je suppose, en plus. Oui, bah oui, il n'a pas fini dessus le vendredi. Il est toujours dessus. Pour l'apéro. Allez. Pour l'apéro. Oui. On y va avec ce jeu des inventions. Je vous donne une invention. Vous me dites quelle année, vous vous rappelez. Vous l'avez tous fait de toute façon 50 fois, ce jeu. On commence par le monocycle. Le monocycle, en quelle année a été inventé le monocycle? On commence par Seb. 1851. C'est en dessous. Camille. 1800. C'est plus. 1840. C'est plus. 1845. C'est plus. 1848. C'est plus. 1850. C'est 1850. T'étais pas loin au début, 1851, tu te rends compte, t'étais à une année. C'est clair. 12 mois de merde. Eh, Seb, est-ce que tu la vois la défaite? Est-ce que tu peux juste fermer ta grande gueule aussi? S'il te plaît. 1850, le monocycle. Daryl, il a dit apéro après. Ah bah ouais, normal, logique. Laissez-moi tranquille. Foutez-moi la paix. Ok, le monocycle, c'est fait. Attention, là, voilà, la bougie en matière grasse d'origine animale. Ouais, donc en graisse de baleine. Hein? En graisse de baleine. On ne va même pas l'objet, c'est quoi? Non, il n'y a pas allez, imagine une bougie en matière grasse d'origine animale. C'est une bougie en graisse de baleine. J'ai pas trop envie d'imaginer, mais bon. Bah, tu vois une bougie? Bah voilà, mais en graisse de baleine. Voilà. Bah alors, c'est quoi ta date? Ah non, tu as commencé. C'est qui? C'est Camille qui commence. Ah, c'est moi? Ouais.
1900. 1900, c'est avant. Oh, 1722. 1722, c'est avant. 1700. 1700, c'est après. C'est, pardon, vous avez dit 1722, monsieur oui. Seb ? C'était après, pardon. Ah, c'est après. Donc 1730. 1730, c'est après. 1750. C'est après. 1760. Où est-ce que je vous ai dit moins tout à l'heure ? En fait, j'étais en train de faire autre chose, j'étais en train de faire pas sur d'après. Donc, je crois que je ne vous ai pas écouté du tout, du tout, du tout. La première proposition, elle est à combien à peu près ? La première que. 1700. La première ? Ah oui. Non, la première, j'ai dit 1900. D'accord, donc c'était moins. Ok. J'ai eu peur. Donc là, 1760, c'est plus. Donc 1800. C'est plus. 1850 ? C'est moins. 1822. C'est plus. 1830. C'est moins. 1825. Bonne réponse de Geek Mio, là, partout. Tu la sens, la défaite, là, ça. N'oublie pas, j'ai gagné la première manche. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Waouh, ça va. En quelle année a été diffusée pour la première fois la série Charm ? Il faut le mois et l'année. Le quoi ? Quelle série ? Charm. Charme. Ah, Charme ! Oh la vache ! Ah, mais c'est quoi cet anglais ? Ok, ça, tu viens de perdre un point. Charme ! Tu viens de perdre deux points, insiste. C'est Phoebe ! Phoebe ! Avec Cole, Piper. Allez, quelle année ? On commence par Seb. Alors, par lui, hein. En octobre 1998. Bonne réponse. T'es un vrai fan, toi. Bah, c'est mon domaine. T'es vraiment un vrai fan. Hein. Bah, tu la sens, mais de fait, Camille. C'est mon domaine. Pourquoi c'est ton domaine? Bah, parce qu'en fait, je suis spécialiste dans les séries, dans le cinéma des années 80-90. Ah, tu nous fais chier, quoi. Voilà. Camille vient de découvrir. Camille vient de découvrir ça. Ah, c'est pour ça que t'aimes bien ça. C'est pour... Et pourquoi il y a des trucs bizarres derrière chez toi? Ah oh, merde. Ouais. Daryl, mets en deux, s'il te plaît. Ah, Daryl aussi pour être. Mets-moi un Morito. Ouais, grave. Il a mis café ou whisky pour Alexandre Ribot. Farah Ribot, tu nous rejoins avec un soda aux céréales. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On va continuer comme ça avec les séries. Pareil, il faut le mois et l'année de la série. Le mois ? Hein ? Bah oui. Non, oui, on oui, a bah dit oui. L'année, on n'a pas dit le mois. Hein. Oui, mais là, c'est le mois et l'année parce que c'est pas des trucs qui ont 50 ans non plus. La série Urgence, premier épisode, le mois et l'année. On commence par Camille. Je sais même pas ce que j'ai fait hier. Que tu vas avoir le... Urgence, tu te rappelles d'Urgence ou pas? Avec George Clooney. J'ai jamais regardé. C'est vrai? Je crois que j'ai tout vu. Ouais. Allez, une année déjà. Pour moi? Un mois et une année. Oui, c'est toi, Camille. Bah, je suis incapable de dire, oui. J'en sais rien. J'ai jamais vu là, ça, moi. Et là, c'est Alex. Camille, toi. Je sais pas, moi, novembre 1980, j'en sais rien, moi. 1980 ah, ah non, c'est plus. Tu vas Moi, j'aurais dit novembre 97. Non, c'est avant. Camille. Novembre 95. Novembre 95, c'est avant. Novembre 96. C'est avant. Non, mais il est con ou quoi ? On t'a dit avant, t'as pas dit après. Heureusement que vous connaissez, parce que des fois... Ah merde, ah, c'est vrai.
Il est quoi ce mec ou quoi? Allez. Novembre 92. Après. Novembre 94. Avant. 93. Quel mois? Bah novembre. Après. Décembre 93. Bah, qu'est-ce qu'il a? Après. Janvier 93. Après. Bah, après décembre 93. Bravo, bon, bravo Camille. Super. Janvier 94. Après. Là, j'ai rien compris, là. Non, tu t'es mélangé, en fait. Décembre 93, j'ai dit après, t'as dit janvier 93. Elle se fout de ma gueule, en plus. Attends, ça bug. Attends. Arrête, on la connaît, ça, tu nous l'as fait 50 fois, déjà. Non, sérieux, ça bug. Qu'est-ce que ouais. Il a dit janvier 94. C'est toi qui as bugué. Il dit 94, alors que c'est 93. Non, moi, j'ai dit décembre 93, et après, t'as dit janvier 93. Alors que c'était après. Vous voilà. Avez dit novembre 94, j'ai dit avant. Vous êtes reparti sur novembre 93, j'ai dit après. Décembre 93, après. Et là, tu as dit janvier 93. Donc forcément, c'est bah, après. Mais oui, et mais après, elle est mongolienne. Après, Daryl, Seb a dit janvier 94. Donc, c'est après aussi. Bah, février 94 ? Après. Mai 94. Après. Juillet 94. Mais les saisons, elles ne commencent pas au plein mois de juillet. Vous avez vu ça où, vous, les séries télé? Septembre 94. Ah, oui, merci, Sam. Septembre 94. Depuis quand les saisons commencent au mois d'août, au mois de juillet, au mois de... Ben, ah, j'en sais rien. Moi, je ne sais même pas ce que c'est comme saison, ça, urgence. Urgence, mais il faut que tu... Et avec George Clooney, la série sur le médical, la fameuse ouais, série... Ouais, on s'en fout de George Clooney. Mais si, ça va. Il était... Je n'assume tellement pas tout ça. Ok. Parle-moi de Gossip Girl, je te dis, moi, Gossip Girl. Un partout. Dernière manche pour remporter ce jeu, ce quart de finale de Confi Game. Et je vous avoue que je n'ai plus de jeu du tout. Un petit bac. Attention, Seb. Trois prénoms qui commencent par la lettre C. Par la lettre C. Carl, Karine, Catherine. Karine, c'est avec un K. Non, Karine, c'est avec un K. Camille, trois objets qu'on trouve dans une cuisine. Avec la lettre C? Non, ce que tu veux. Ah, objets, une casserole, des couverts et un dessous de table. Okay. Pas un dessous de table, mais un dessous de casserole. C'est bon. Ouais, c'est ça. Dans le premier qui se plante a perdu. Hein. Je le dis, vous n'avez pas le droit de répéter les mots qui ont été dits par l'autre. Oui, c'est un jeu que je viens d'improviser. T'arrêtes d'improviser, en fait. Trois films qui datent avant les années 2000, Seb. Retour à le futur, les Gremlins et Indiana Jones. Camille, trois films avant les années 2000. Seven, Rabbi Jacob. Putain, la lenteur. Et Titanic. Oh, la lenteur. Attends, il faut que je... Hein. Ouais, il faut que ça remonte au cerveau, effectivement, on avait compris. Hein. Voilà, t'as compris. Putain, ça m'aide de pas, moi. Ok. Seb, trois films après les années 2000. Star Wars, le retour du Jedi. Oh non, punaise. Non, je me suis planté. C'est bon. Ah non, je me suis planté. C'est pas celui que je voulais dire, mais c'est bon. J'avoue ma défaite. C'est moi qui me suis planté. Je suis bon joueur. J'ai dit le dernier Jedi et j'ai dit le retour du Jedi. Attends. Si Camille se trompe maintenant. Ouais, vas-y. Que sois équilibré quand même. Camille. Trois chansons de Jennifer. Non.
Je l'aime. Oui, c'est bien. Trois chansons d'Aznavour. La Bohème, Emmenez-moi. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Attends, La Bohème, Emmenez-moi. Non, mais c'est bon, j'ai perdu. Attends, parce que fou, Aznavour, attends. Fin du temps, on retourne sur Seb. Ouais, non, mais je devrais mettre du rythme. Allez, on va. C'est pas du jeu là! Vous me voyez ou pas? Ouais. Tu vas pas me dire que j'ai une idée, sérieux? Mais tu vas mettre un quart d'heure. Vous me voyez, tous les deux, vous me voyez. Ok. En haut de l'affiche. On va à vous. Je va... me voyais déjà. Voilà, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Ah ouais, bah oui. On vous départage avec le papier dans la main. Okay. Ah non. C'est horrible. Non, attention. Il a perdu tout à l'heure. Il a perdu, c'est moi qui ai gagné. Toi aussi. Non, j'ai pas perdu. Oh. Si. J'ai pas perdu, j'ai donné trois titres. Ouh, à quel moment avec en une demi-heure. On rigole pas là, c'est les quarts de finale là. Bah on départage le dernier quart de finale avec le papier dans la main. Attention, chacun son tour. Bah, mets-lui dans les fesses à lui là. Le papier dans la main. Seb, quelle main? La main, ta main gauche. Celle-là. Ouais. Camille, pour la victoire ou la défaite ou l'égalisation. Le papier dans la main, le jeu préféré de Marlène. Main droite ou main gauche? Droite. Droite, c'est celle-là. Mmh. Oh putain, il est interminable ce jeu. Ce quart de finale est totalement épique. On l'avait annoncé de toute façon. Il est 19h50. Ouais, ben. On c'est pas du jeu, soir. C'est de la. On est qualifiés tous les deux, il y a 0-0, il n'y a pas de pénalty, on a gagné. Non, je ne fais pas de prolongation, moi. C'est bon, on ne va pas terminer vendredi. Ah, je vais vous dire qu'on va la finir ce soir. Un concours de shooter, moi je suis prêt. Quelle main? Non, bah, alors là, je perds. La main droite. La main droite, c'est celle-là. Ouais. Le papier, il est dans la même main. Camille, il faut que tu trouves, si tu perds, tu as perdu. Ouais, mais enfin, c'est complètement Camille... con de perdre un papier, hein. C'est clair. C'est clair. Marlène peut t'en parler. Je suis d'accord. Ben, la gauche. Quelle main? La gauche, c'est celle-là. S'il y a le papier, il y a égalisation et on continue. S'il n'y a pas le papier, c'est Seb qui remporte et qui va en demi-finale demain contre Anastasia Duval et Théo Boutonnet. C'est pas grave, hein, ça sera la vie. Hein. Effectivement, c'est la vie. Tu as perdu. Voilà. Tant mieux pour ça. Moi, j'ai fait plus de live. Mais quand même, alors, savoure ta victoire, mais quand même, avoue que tu avais perdu normalement. J'ai donné une mauvaise réponse. Normalement, j'avais perdu parce que même si j'ai pris du temps à répondre, j'ai quand même gagné. J'ai dit trois titres d'Aznavour. Non, t'as pas dit trois titres d'Aznavour. Honnêtement, il aurait pas dit. La Bohème, emmenez-moi et je me voyais déjà. Oui, maintenant, tout à l'heure, tu regarderas le replay. Et en plus, si Seb ne dit pas non, j'ai une mauvaise réponse, ça passe tout seul, ça passe crème. Il te sort. Bien oui, j'ai dit une mauvaise réponse. Bah, oui, mais moi, j'avais quand même bien répondu. Après, il aurait pu perdre sur un autre. Oh, s'il vous plaît, madame, ne soyez pas de mauvaise augure. Hein, non, je ne suis pas de mauvaise foi. Il savoure sa victoire. Mais tu es de mauvaise foi. Tu as triché au Monopoly. Non, j'avais gagné. J'applaudis parce que Camille, c'est une super bonne concurrente. Bravo. Parce que voilà, moi, je dis bravo. Camille, tu es. C'est le karma, tu as triché au Monopoly en septembre 2019, rappelle-toi. En fait, tu m'en veux toujours. Je lui ai tellement volé toutes ses cartes au Monopoly. Et maintenant, j'ai rasé tout le monde qui m'en veut encore. Voilà, tu as perdu, c'est voilà. La vie. On sera quand même amis, c'est pas grave, on s'en veut pas, on s'apprécie. Arrête de tenir dans les crocs. Il y a pas d'amis dans le business. Quel business, il n'y a rien à gagner. De mauvaises augures, Alex. Oui, Marlène. Faites un club avec Marlène et Camille. Faites une page, les filles de mauvaises augures. Non, mais c'est vrai. Dans la logique des choses, j'avais gagné. Mais c'est pas grave, je laisse bien sûr.
Et si ma grand-mère avait des couilles, ce serait mon grand-père. Alors, peut-être, peut-être pas. Et on va se faire plaisir maintenant. Mais bon, c'est pareil. Et là, c'est un moment que je vais attendre avec impatience parce que là, il y a quand même des histoires. Il y a eu beaucoup de lives les uns contre les autres. Vous connaissez bien. Vous connaissiez pas avant le config game. Maintenant, vous connaissez bien. Et maintenant, c'est le moment du gage où Seb va pouvoir te humilier. Non, tout à l'heure, il n'y a pas eu de gage. Si, il va enregistrer. Mais tout à l'heure, c'est tout à l'heure. Mais pourquoi tu te compares aux autres? Tu vas pas te comparer à Flo et le Passy. Tu es Camille Achard. Non, pas du tout. Camille Achard relève tous les défis. Elle n'a peur de rien. Et elle va relever le défi que Seb va lui donner. Alors, moi, j'ai un super défi. J'ai vu que tu aimais bien Aznavour. Voilà. Même si tu as fait peur ce soir. Tu vois? Alors, je veux que tu me chantes. Hein? Je peux pas chanter. Bon, voilà. Si tu peux pas chanter, tu vas bouffer un œuf cru du piment. Non. Mais non, mais c'est vrai, je peux pas chanter. Non, mais... Écoute. Attends, Seb, Farah vient de dire un truc qui est super important. Elle a perdu contre Black Tea. Elle lui a fait bouffer. Tu connais bien Black Tea à la réunion, etc. Ouais. Bah, elle lui a fait bouffer une cuillère de farine. Moi, je suis pas quelqu'un de méchant. Vous avez vu son égage. Il faut. Alors, qu'est-ce que tu veux que je chante? Camille, est-ce que t'as du chocolat en poudre chez toi? Du chocolat dans la gueule. Non, est-ce que tu as du chocolat en poudre ou je sais pas, de la chapelure ou un truc comme ça? Non. Mais alors attends, est-ce qu'on peut vérifier cette information? Enfin, est-ce que tu peux vérifier? Non, sérieux, j'en ai pas. Est-ce que tu as t'as pas du tout de chocolat en poudre? Non, mais il doit y avoir du piment par contre. Il doit y avoir du piment quelque part. Bon, ce que tu fais, tu me chantes. Je mange plus de piment. Tu me chantes la chanson. Par contre, Attends, ne parlons pas sur la chanson, restons dans l'alimentaire, il est 20h, c'est l'heure de manger, tu meurs de faim. Est-ce qu'on ferait pas... Camille. Camille, je veux que tu chantes une chanson, emmenez-moi avec de l'eau remplie dans la bouche. Mais comment tu veux que je fasse? Moi, je trouve ça gentil, parce qu'apparemment, il y a de l'anchois dans son frigo, il y a des croquettes pour chien. Non, j'en ai plus de croquettes, je lui fais du riz maintenant. Comme par hasard. Ton chien, il mange pas de croquettes. Non, sérieux, je les ai finis hier. Hein? Des croquettes, ouais. Hé, Daryl, ça va, hein? Alors, tu remplis bien et tu me chantes avec le gosier « Emmenez-moi ». Oh. Vas-y. Crache pas. Tu gardes tout dans la... Faut que tu le sentes dans la gorge. Vas-y. Emmenez-moi. Emmenez-moi. Ah, alors attends, par contre. Mais je peux pas chanter. Mais si, on peut. Mais non. Je crois qu'il y a ta mère qui a dit menteuse. Mais menteuse pourquoi? Alors, à mon avis, c'est pour des aliments qui peuvent être dans ton frigo. Ouais, ça se trouve, elle a du chocolat en poudre. Elle a dit non, promis, j'ai pas de chocolat en poudre. En croûte. En croûte. Du chocolat en croûte. Ta connerie, elle a du chocolat en croûte. Marlène, c'est toi qui as fini les croquettes hier. Il n'y a tellement plus rien à bouffer à Rosy, là. Elle a bouffé les croquettes du chien. Moi. Je ne comprends pas. Oh là, on a juste. T'as fait deux phrases, il y a encore 12 couplets. Et... T'as un sacré jet, dis donc. C'est impossible. Alors, apparemment, t'as vraiment non, des croquettes chez toi. Non, j'en ai plus. Elle les a finies pour. Elle a fait un apéro live hier, elle a resté que ça pour l'apéro. Bon, est-ce que tu peux mettre de l'eau? Parce que moi, j'ai pas compris ce gage. Hein? Est-ce que tu peux mettre de l'eau? Parce que j'ai pas compris ce gage. Oh putain! Non, de l'eau. Je vais aller pisser toute la nuit, là. Non, mais. Et tu chantes bien, hein? Allez, on t'écoute. Je n'arrive pas à finir la phrase. Mon Dieu. Ça va, t'as un téléphone en bouche, c'est bon? Et du parquet waterproof? Et un canapé waterproof? Et des rideaux waterproof parce qu'il n'y en a plus derrière. Je sens que ça va sortir, quel geste. Je n'arrive pas! Ça veut pas dire. Mais ouais, mais. On s'en fout, on va pas te lâcher tant que ça va pas finir. Mais non, mais ça veut pas sortir, tu veux que je fasse quoi? Je m'étouffe!
putain. J'ai mal au ventre et tout, putain. Merci Camille pour ce moment. Merci beaucoup. Allez, on va dire qu'il est bon. Tu ne l'as eu, on abandonne. J'avais quand même gagné. Oh non, mais non, tellement pas. Regarde le replay. Tu regardes le replay ce soir, justement. Oui, voilà. Je regarde le replay. C'est de bonne foi. On peut pas laisser. J'avais donné emmenez-moi la bohème et je me voyais déjà. Oui, on a 4 minutes d'intervalle. Ça, au bout d'un moment, faut y aller, quoi. Tu regarderas. Ok. Camille, on te retrouve en transit entre Maurice, la France et la Réunion dans les prochaines semaines. Donc, mais toujours en confinement chez toi, sans croquettes pour le chien. Seb, Geek Me All, on te retrouve sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram avec le nom Geek Me All, spécialiste de la pop culture. À voir bientôt à nouveau, peut-être sur Antenne Réunion. Oui, bah, j'espère bientôt. Et dans la presse aussi. Et dans Télémac Plus, ouais. C'est ça, ça même. Et puis on te retrouve demain en demi-finale contre Anastasia Duval et Théo Boutonnet. L'autre demi-finale sera Emily Bollock, Mr. Love contre Flo. Voilà, j'espère que... Merci d'avoir ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci pour votre patience. Ils sont pas nombreux, mais bon. Non, bah là, non, ils sont plus grands. Il y a plus grand monde. Attends, il y a personne qui a écrit dans le chat là? Non, ça c'est pour nous. Il n'y a pas Pierre? Non. Mais là, il n'y a pas Daryl. Non. On se retrouve demain pour la demi-finale. Bisous à tout le monde. Prenez soin de vous et bisous. Des autres. Bisous. Allez, merci. Apéro live. Alors, c'est live. Ouais, apéro live. Allez, bon apéro live. Hein. Ciao. Et c'était quoi la grimace? Sébastien, c'était quoi la grimace? Quoi? Camille, championne du monde de grimace, sans déconner. Hey, tu devrais faire un nouveau feed Instagram avec ça. Tu ferais un carton. Daryl. Ah, je sais. Attends, je fais Daryl. Ah ouais, ben ça, c'est trop Daryl, toi. Daryl, il faut que tu regardes le live. Tu vas faire au live pour comprendre. Merci, Marlène. Allez, bye bye, bonne soirée. À demain, 18h30. Ciao. À demain. Bye, bisous.